Salut YouTube, eh ouais. Eh oui, après Mario Galaxy 1, on va évidemment faire Mario Galaxy 2 et on va commencer. Et donc j'ai ressorti ma plus belle Wii U, évidemment. J'ai ressorti mon jeu et je retombe là-dessus. Regardez, le 15-2-2011, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, oh, ça fait chier. Je réfléchis à un personnage nul pour un jeu de rôle. Cherche un matériau improbable pour une arme type épée. Des nouilles chinoises. Voilà, une épée en nouilles chinoises. Pourquoi pas. Et donc voilà. Parfait. Ah bah merde, de rien. Le Mi que vous utilisiez ne se trouve plus sur la place Mi. Son icône était remplacée par celle de Mario. Super, hein. Super, hein. Et donc voilà. Et donc il y a 242 étoiles. Ok. Mais de toute façon, on va prendre. Hop. Une nouvelle sauvegarde. Ah. Ah. Vous savez, quand vous reprenez vos vieux jeux. Et vous retombez sur le Mi d'une ex. Ah merde. Ah merde, c'est une ex. Non mais c'est moi. Regardez quand j'avais encore des cheveux. Vous avez vu mon Mi à l'époque, il avait encore des cheveux. C'est il y a 10 ans. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau ce Mi. Je vois pas la différence. Ah, si, regarde, il a plein de cheveux là, regarde. Mon Mi sur la Switch, il a beaucoup moins de cheveux. Je souriais à l'époque, je crois que je fais la gueule maintenant. Oh, je fais la gueule. Notre nouvelle histoire commence aussi avec une pluie d'étoiles filantes. Une fois par siècle, une pluie d'étoiles filantes illumine le ciel du royaume champignon. Ce moment est venu. Cher Mario, que dirais-tu de déguster des petits gâteaux avec moi tout en contemplant les étoiles filantes ? Retrouve-moi au château, signé Peach. Blablablablap. Ah, la qualité est pas ouf, hein. Ah non, mais attendez, c'était au début du festival des étoiles filantes. Le royaume champignon était en liesse. Hey Mario, attrape les fragments d'étoiles. Regardez, je peux les attraper avec ma zizimote. Ça fonctionne mieux que dans, que dans Metroid Prime. Hein. Les fragments d'étoiles scintillants de mille feux tombent des cieux. Allez. Super. Super le tuto. Hein. Oh je... Ah bah non, mais je... Non bah d'accord, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je voulais rentrer dans le tuyau finalement, non? Pourquoi je suis pas rentré dans le tuyau? Regardez un Luma. C'est un Luma. L'étrange petit bonhomme avait l'air un peu perdu. Il se prit tout de suite d'affection pour Mario. Il est rentré dans la tête de Mario. Hein. Soudain, Mario vit sa casquette briller d'un nouvel éclat. Un nouveau pouvoir l'envahit. Ah ouais? C'est le pouvoir de quoi? C'est le pouvoir de l'amitié? De l'amour? Cette chose est tombée du ciel. Voilà. Bien wesh Mario. Vraiment, tu es trop fort. Mais je peux... Ouais, c'est ça, je peux faire un saut aussi. Bien mangé, mais tellement bien mangé, c'était tellement bon. Tiens, mais qui est-ce? Serait-ce un ami de l'autre petit bonhomme? Merci de m'avoir libéré. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Que se passe-t-il? Oh, j'ai tellement bien mangé. C'est bon. Il fallait que j'avance. C'est quoi ce bordel? Ce vacarme, je voulais dire. Comment ça? Regardez, c'est Bowser, il est déjà énorme.
Un gros monstre. Bon, on le connaît, nous, hein. On le connaît bien. Mais où est le vaisseau? Attendez, faut que je prépare la voix de Bowser. Tu arrives trop tard, Mario. Je maîtrise désormais le pouvoir des étoiles. Et regarde ce que j'ai trouvé en plus de ça. Au secours! Peach. Ah, ça c'est étonnant, hein. Peach qui s'est fait enlever? Je suis énorme, comme... Non, rien. Regarde-moi de plus près. Avoue que je suis encore plus terrifiant comme ça. J'ai désormais un phallus démesuré. Pour une fois, Peach va faire de bons petits gâteaux rien que pour moi. Voilà ce qu'il me faut, un gâteau de la taille d'une galaxie. Ah oui, un gâteau galactique. Ta petite planète d'Orient est... Hein? Hein? De quoi? Ah, de quoi? De rien du tout, est trop minable. Désolé, j'ai du mal à lire. À nouvelle taille, nouveaux appétits. Il me faut un royaume à ma mesure. Je vais placer mon trône au centre de l'univers. Il n'y a pas de centre dans l'univers. Et de là, je régnerai sur le cosmos. Ça vient de me donner faim. il faut manger. La voix. Non, bah non, vous aurez que celle-là comme voix. Voilà, c'est la voix de Bowser. Mario, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rester planté comme des glands, comme d'habitude. Hein? Servait à rien? Je vous jure. Oh, les taudes, quoi. Mario, mais d'où il sort ce monstre? Mais vous l'avez déjà vu. Il a kidnappé la princesse pour l'emporter au centre de l'univers. Mais alors, il faut le rattraper au plus vite. Oh, regardez. Oh, mais c'est le jeune maître Luma. Tu es tombé du vaisseau, toi aussi. Heureusement, tu as l'air de bien aller. Tu es heureux, sous la casquette de Mario. Là, au moins, tu seras en sécurité. On a d'autres préoccupations pour le moment. Mario, il faut absolument qu'on sauve la princesse. Pourquoi? Ton ami, le jeune Luma, t'aidera à utiliser le pouvoir des étoiles. Le pouvoir de l'amitié. Et nous, les Lumas jaunes, on t'aidera aussi notre mieux. Pour te remercier d'être venu en aide à nos amis, nous allons te propulser dans l'espace. Et donc te mener à une mort certaine vu qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Mais ce n'est pas grave. Pour te remercier, on va faire ça. Partons à la poursuite de ce monstre. Attention au décollage. Approche-toi et agite ta zizimote. Voilà, va suffoquer dans l'espace, Mario. Ça nous fait extrêmement plaisir. Friction avec un fripon. Putain, ça a la Wii, ça a vieilli quand même. Hein. Nos super étoiles, elles ont toutes disparu. C'est ce gros monstre de Bowser qui les a volées. Si tu veux retrouver les étoiles dérobées, tu devras sûrement affronter ce monstre. Tu dois l'arrêter à tout prix. Et nous, les Lumas, on va t'aider. Ça vieillit la Wii. Oh, les graphismes de la Wii. Quoi? C'est Yoshi? Salut l'ami, essaie un peu de passer de l'autre côté. Yoshi! Bon, faut que je me fasse au gameplay à la Wiimote. On ne voulait pas. Hein. Finalement, le remaster était pas totalement nul. Ah, c'était même pas... Non, c'est pas un remaster. Ah non, bah non. Alors c'est pas un remaster, c'est de l'émulation sur les sur la collection 3D All-Stars là. Mais oui, il y a je pense quand même 2-3 trucs quoi. Histoire d'avoir un petit peu d'anti-aliasing, parce que là le anti-aliasing, je sais pas où il est mais il est pas là. Hein. Bra bra bra! Allez, une vie! Justement, c'est un peu ce qui a été critiqué sur les. La collection 3D All-Stars, c'est que vraiment ils ont fait aucun effort quoi. C'est vraiment, ils ont claqué un émulateur sur la Switch et puis ils ont dit, allez, vas-y! Ah, c'est bon hein! Ça a marché, les pigeons ils vont racheter. Astuce, tournoi après des ennemis pour les étourdir puis envoyer les valser. Tu sais comment on fait? Bonne chance. Non, c'est bon, je sais jouer au jeu, quoi. Merci, regardez. Ah, vous avez vu?
T'as vu, j'ai joué au jeu. C'est fou. Ok. Je commence déjà à tout ramasser, quoi. Est-ce que j'ai envie de tout ramasser ou pas? En plus, là, je crois que je ramasse pas. Ça compte même pas quand je ramasse, en plus. Waouh, tu m'as sauvé. Mais ce gros monstre de Bowser a pris les jambes à son cou. Par ici. Regarde, il y a des pommes. Eh, hey, les copains lui-même ont parlé de toi. Merci de nous apporter ton aide. Dès que je me serai transformé en truc, approche-toi de moi et agite ta zizimote. Non, mais ça compte pour que dalle en fait. En fait, je suis en train de m'emmerder alors que ça compte pour rien, quoi. J'ai pas le compteur d'étoiles, le truc de machin. Sur le premier niveau, je pense que ça compte vraiment pour rien, quoi. Ah, j'ai failli mourir. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Ah non! Par contre, ça pointe loin. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il peut, quoi? Pourquoi on est là? Eh non, moi je vais aller là-bas, regardez. Il y a un truc spécial là-bas. Oui. C'est tout? J'ai fait ça pour des vies? Vraiment? Merde, gorge qui me gratte. Ah mais il y a même la Zizimote qui fait du bruit en fait. Ah merde. Fait que je récupère les trucs au bon moment quoi. Fallait le savoir. Non! Non, pitié! Non, 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 pas tout de suite. Déconne pas. Non. Arrête. Merci. Comment on coupe le son de la Wiimote? Je crois qu'on va avoir un boss qu'on a déjà affronté dans le 1. Est-ce qu'ils vont nous faire une redite? Oui, ça je sais, j'ai déjà joué au jeu. Merci. Ah ouais, non, par pitié. Faut que je trouve comment couper le son de la Wiimote.
Oh! Je suis étonné de pas l'avoir eu. Mais... Vénère ou pas vénère? Ah. Un peu vénère. Aïe. Il se fout de moi? Merde. Merde. Mais qu'est-ce que je fous? Mais non, mais ça marche pas. Ok, faut vraiment être en face. C'est bon à savoir qu'on va faire que je le fasse vite ce niveau, parce que je crois qu'il faut que je le fasse vite à un moment. Putain, mais il y a 242 étoiles. Je suis étonné. 240, j'aurais compris, mais c'est quoi les 2 étoiles en plus? Est-ce qu'on fera les 240 étoiles aussi? Là est la question. Papapam, papam, vous avez trouvé une super étoile. Station stellaire, en friction avec un fripon. Vous avez ramassé des fragments d'étoiles. Ah non, ça comptait. Et j'ai trouvé des pièces. Oh, regardez le vaisseau, c'est ma tête. Comment ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Coucou, Git. Hola, Moussaillon. Tu dois être ce Mario dont les étoiles Luma n'arrêtent pas de me parler. Non, d'ailleurs, c'est des étoiles, ouais, c'est pas les Luma. Enfin, si, c'est les Luma. Ah, dis donc, on dirait bien que ce pirate de Bowser t'en a fait voir de belles. On a fait voir de belles. Royaume champignon. Mais bon, merci d'être décarcassé de m'avoir rapporté cette étoile. On peut dire que j'en avais besoin. En fait, moi, c'est Luba. Je suis le maître d'équipage de ces braves Luma. Bon, je sais, c'est dur à croire, mais ce gros truc rond sur lequel t'as posé tes pattes est un vaisseau spatial. Nous, les Luma, on a réussi l'exploit de transformer une petite planète en vaisseau. Ça n'a pas l'air, mais c'est notre petit chez nous maintenant. T'en restes baba, hein, mon petit gars. Non, mais tu m'as pas dit que tu commençais quand tu coupes pas. On n'a pas de notif. Si, j'ai coupé, en fait. Justement, j'ai coupé le live, donc... T'aurais dû avoir une notif. Je viens de commencer, hein, j'ai fait le premier niveau. Hein. Mais t'as vu ce qui est arrivé à notre beau vaisseau? On a eu le malheur de croiser la roue de ce pirate de Bowser. Il nous a balancé des météores. Et le vaisseau en a pris un sacré coup. Une partie de mon équipage a été éjectée par-dessus bord. Après ce qu'on m'a dit, ce pirate de Bowser s'est invité à la fête et a kidnappé ta chère princesse, à Peach. Il m'a dérobé les trucs précieux à moi aussi. Ce pirate de Bowser me pique absolument toutes mes étoiles. Ton vaisseau ne sert justement au pouvoir de ses... Hein, se sert justement du pouvoir de ses étoiles comme carburant. Sans étoile, on est coincé à quai. Tu vois le topo, mon gars? Oh! Un Luma. Pas une notif. Tu vas l'avoir dans 2 heures quand j'arrêterai. Le jeune Luma est avec toi. J'ai pigé. C'est grâce à lui que tu peux utiliser le pouvoir des étoiles. J'ai une proposition à te faire. Tu veux aller secourir ta princesse qui se trouve à quelque part au fin de fond... qui se trouve quelque part au fin fond de l'univers, pas vrai, Matelot? Tout à fait, oh oui. Que va-t-on choisir, évidemment? Oh oui. Oh ouais. Si on te construisait un vaisseau spatial rien qu'à toi, petit gars. En échange, tu te charges du ravitaillement en étoile. On aura besoin de leur pouvoir pour propulser le vaisseau. Alors qu'est-ce que t'en dis, Mario? Ok. Parfait, on fait comme ça. Allez les gars, on a du pain sur la planche. Construire le meilleur vaisseau spatial de tous les temps. Oh, oh, c'est un vaisseau spatial Mario. À l'équipage de Luba a réparé le vaisseau, il ressemble maintenant à Mario. Alors petit gars, t'en dis quoi? C'est un vaisseau facial.
Merci Genius, ah, bienvenue à toi. Et merci pour ton abonnement de niveau 2. Et oui, Silent Genius aime utiliser gratos chez d'autres streamers. Et pour ton 5e mois d'abonnement. Ah là là. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Ton soutien qui dure. Bon, j'imagine que du coup t'es rentré Genius. Bah moi ça va. J'espère que toi ça va et que t'en as pas trop chié du coup. T'as bloqué les R comme Enco? Bah pas du tout. Pas du tout. Non. Bonjour. Non. Non. Ah bah voilà. Paf. Un R comme Rabia. Vous voyez? R comme Rabia. Et j'ai rien sur la télé du tout. Une réussite. Ah bah oui. Ça a l'air d'être bien ce soir, disons pour toi. Vas-y, nargue-moi Genius. Bah non, tu voulais un R comme Rabia, elle te le donne. Voilà, Genius. Gentil comme d'habitude, qui te le donne. Te nargue pas? Oui, ça allait sur la route, ah, tant mieux. Je peux pas cliquer. Eh. Non, je veux pas R comme. Je sais pas. C'est un, ouais, donc la blague, vaisseau spatial. Comment ça? Ah, t'as l'air tout bouffi? Pas du tout, c'est très ressemblant. Faut voir le côté pratique, tu le retrouveras facilement dans un port au milieu des autres vaisseaux. À partir d'aujourd'hui, c'est toi le capitaine de ce vaisseau. La route du gouvernail est tienne. Mais te vexe pas si je te chambre un peu, petit mousse. Tout capitaine que tu es, tu n'as pas mon expérience. Parlant d'être bouffi, toi, hein, ça va. Fais vite le tour du vaisseau, Mario. Et dès que tu es prêt, on largue les amarres. Ah, tout, c'est toi le maître à bord. Est-ce que je peux lui sauter sur la gueule? Oh voilà, c'est ça qui est bien dans les Mario. C'est qu'on peut sauter sur tout le monde. Et ils nous en veulent jamais, quoi. Y'a un truc, là. Regardez, là, y'a un truc. Il m'a pas fait de triple saut. Pourquoi il m'a pas fait de triple saut? Zut. Attendez. Mais non, mais... Ah ça je pourrais remarquer, je pourrais le faire comme ça, oui. Si j'arrivais à sauter. On va passer une demi-heure là-dessus. Alors qu'il y a probablement que dalle dans la cheminée. Oh si, y a un truc. Oh là là. Mon travail, c'est de puiser l'énergie contenue dans chaque étoile et de la convertir en carburant. C'est tout. C'est tout. Et puis j'aurais pu rentrer par là. Ah merde. Et je sais pas comment on appelle ces trucs là. En vrai, ou cool, genre contente de te voir en deux secondes, coup de patte. Oui, c'est... Bah, ah, c'est fourbe. Hein. C'est fourbe, les chats. Franchement, faudrait vraiment être naze pour prendre un animal, hein, aujourd'hui. Les points de chaîne. Ah, c'est peut-être ça. Coucou, Bibi. Comment tu vas, Bibi? Tiens, je peux faire des saltos. Regardez ça, pour me retrouver sur le nez de Mario. On n'est pas ravis. Mon Jean-Michel, c'est jeu en anglais 15 minutes. Oh là là, elle a remis ça. Bah attendez, je vais boire parce que ça va être compliqué. During your adventures, you can ramassed pieces. In order to accumulate energy. If you don't find coins, you still can crash an enemy by jumping on his fucking head.
Et si je lis if I read the messages in the chat, I'll read them in French. Bibi va doucement mais sûrement. Et nous? I'm fine. Thank you. Il fait semblant, là, il parle mieux que ça en anglais que ça. C'est faux. This is not true. Hop. Point at the screen with the Z emote, with the dick mode. With the dick mode. To make a symbol appeared on the screen. To collect the shards of stars. You only have to touch with the symbol. We can but answer in English, toi. Yes, you can read our message in French. But you have to translate moi. Enfin, how do the English people say moi? I don't know. Then you can point, you can VZ with a symbol and press the B button to shoot a shard of star. No, my English is too bad. La dick mote. Yes, this is the Z-emote in French, dick mote in English. What are you waiting for? What you waiting for? Go and collect the stars. Hurry up. You lazy moron. And the fucking corrector. Yes it is. What's that? I don't know. So! I'll crush every morning wood. Cause it's morning and that's wood. So it's morning wood. Of course. I am so happy. You're the lazy moron. You are. You more than me. Le morning wood. Yes. Yes. Look. It's morning. That's wood. Morning wood. You can jump several times. To go way, way up high in the stars. Run and jump three times to make a triple jump. Just like that. Oh, yes, that's wonderful. I'm so happy. I have in the B-look. Press Z during a jump to make a ground pound. Use this technique to splash your enemies. At least you're shooting blanks now. The morning bush. Yes. The morning log. Bubuche en bois en PLS. In PLS. Sorry. I'm really sorry, Tonya. It's quite thoughtful of you to translate the game for us. But it feels odd. It is not. To flatten the enemies. Ah yes. Sorry. Still has 15 minutes to do. Okay, so I'm leaving. I don't care. I don't care.
How do you say gouvernail? I'm so frustrated by my English. You shouldn't be. What, Gigit? You're so frustrated by your periods? What? Oh no! Écoutez! So, open up your ears. Matalo. This is a map. Point the your dick mouth. Point only point the galaxy you want to visit. When you made your choice, just press A to go there immediately. This spaceship, this starship. Use the power of the stars, like gasoil. Ah, je sais que c'est pas gasoil, hein. Arrêtez un peu. Hein. For the moment, we can only go there. We need more stars. Take your fingers right off your ass, you lazy moron. The princess is counting on you, and the equipage too. Let's go. Mate a lot. Mate a lot. Yes. Point your finger. Mates do mate a lot when they are not on the sea. Oh, yes. The equipage. Yes. Do you know the equipage? The crew. Yes, Bibi is right. It is the crew. The name of the world. The name of the galaxy is Riding Yoshi. Should know about Rudder. He shared offices with a company named Rudder in the past. For real? Yes. So there's a lot of seamen to play with. Yes. Do you want to play? Do you want to speak about my seamen? Ah là là, j'aime bien. I really like it when my accent is awful. do you like my semen? I approve the joke. Yes. Clap clap clap. I'm gonna go my tisane. Ouais, I am semen. Oh. Ah là là. Semen shall never pass. Oh, I've been hit by a vilain plant. A bad plant. So what's up, bro? I was counting on Yoshi to help us collecting stars. But he seems a little off alone. He let himself trapped within his egg. You can. Silent, I need you.
Non. 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 Zeri the méchant. Ayette the méchant. Yes. You are regaling me. You know you're not the first girl to say that to me this week. Slay the Kamek. Thank you, Silent Genius. Non! I want my shards. 15 minutes is too short. No, 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 no. It's not. It's just the right amount of time. The only girl so Rabia said thanks when you gave her food too. That's not what I'm speaking about. But if you want it, that's okay. No! Come here, you bastard. That's my friend Yoshi. Yoshi. Yoshi came out of the egg. You saved me. I was trying to help my friends, but I've been prisoner with my egg. I've got an idea. We are gonna be a team. Come on, ride me. Ride me from behind. I can't eat them. He was in the water closet. And now he's free, like Britney. You have found a medallion, which is touching at your penis. Collect a lot of them. To tease the farceuse comet. The pranking comet, yes. Looks like he's having fun. Let's do that more often. No. I don't want to. Because you're all making fun of me. And I'm sad. Pouet, 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 pouet. Pouet, 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 pouet. Ah! No means the yes to win against the no. We need the yes.
Bon, ouais, c'est fini là. Allez hop, il est 21h07, c'est bon. On reparle français, hein. He's rolling a pelt to Yoshi. Bon, j'espère évidemment que mon niveau en anglais vous a bien plu. Non ! Yoshi ! Yoshi ! Va pas te suicider ! Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Hein. Je voulais pas que Yoshi meure. Et t'arrêtes ? Voilà. Petite pomme là. Ah voilà, du coup plus personne parle quoi. Du coup ça y est, maintenant qu'on est revenu en français, plus personne veut parler. Ah ça, quand c'est pour se foutre de ma gueule, y'a du monde hein. Parce que maintenant vous êtes en anglais, eh ben allez-y. Allez-y, parlez en anglais entre vous, là. Entre vous, viewers, là. Il peut même avaler les cailloux. Oh, mais vraiment, Yoshi. Hop. Ça change pas grand chose pour toi parce que la plupart de tes interactions sont en anglais. Voilà comment il se la raconte lui. T'as fini hein? T'as fini de te la raconter là? Tiens. Merde. C'est pas ça que je veux que je fasse. Ouais, ouais, c'est ça. Non ! Yoshi, Yoshi ! Non, Yoshi ! Oh, j'étais tellement long. J'ai été tellement long, c'était tellement nul. Toi, c'est un franglish, toi. Ah, c'est bien aussi, hein. C'est bien aussi le franglish. Faut avouer. J'ai oublié d'éteindre le... J'ai oublié d'éteindre le son... Non mais comment on fait? Son de la Wiimote, comment... C'est ouf. Paramètres. Ah voilà.
Ah c'est bon, la Wiimote fait plus de bruit. C'était un sup. Hein. Je ne travaille plus avec des macronistes. Ah bon? Le pont épiscopien gliglish. Est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il est moins bon? Oh, il y a des dés. Je me rappelais absolument pas qu'il y avait ce truc là. Ah voilà, faut tirer dessus en fait, ok. Mais... C'est le premier niveau, ça va me prendre 12 heures. Est-ce bien raisonnable? Yoshi s'enfuit, si tu te fais blesser, attention, dépêche-toi de remonter dessus, sinon il reviendra ici. Ah, c'est les... D'accord, ok. Ça c'est juste les endroits... Ok, d'accord. Je peux pas l'enfoncer ça? Le gros nonos. Vous pensez que je peux enfoncer le gros nonos ou pas? Enfin, de toute façon, je peux pas. Je peux pas faire de ground pound avec Yoshi. Ok, ça je l'ai eu. Ah, merci bien. J'espère pas de te déposer tes courses demain. Hein. Ah! Oh! Ah, du coup, tu les as faites ou pas? Pam pam pam. Ah le... le Yoshi qui bug. Il faut que je vise. Pourquoi y a ça? Pourquoi on peut pas sauter avec Yoshi? Aïe. C'est bon Yoshi. Ça c'était pas prévu mais j'ai réussi. Bien. Ok, ça c'est fait. Ça fait pas grand chose ça. Hop là. T'es mouru. Poil au dos.
Ah, j'ai loupé une... Attendez, mais il y a d'autres choses là-haut. Déjà. Quoi? Ouais, c'est pas grave. Qui se rappelle des mots d'Eric Ramsey? Wham! Pam 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 pam. C'est vieux. C'est toi qui es vieux. Les trois mousquetaires. Attends. Ah, les trois moustiquaires. Moi, hop, je file le tennis. Le vaisseau Mario peut maintenant voyager plus loin. Oh, mais encore me brasser, lui. Dis, Moussaillon. Je veux pas m'occuper de tes oignons. Mais c'est quoi ce truc là-bas? La confiance est essentielle sur un navire. À l'entre nous, tu ferais pas du trafic d'œufs extraterrestres. Non. C'est Yoshi. C'est mon copain. Tais-toi. Alors je peux retourner à celui-là. Ah mais là regardez, je peux faire autre chose aussi à station stellaire. Yippie! Du coup, Nobaraki, pourquoi tu parlais des mots d'Eric Ramsey? Parce que tu nous as juste demandé, puis tu t'es barré. Ça marche pas sur eux. Attendez. Ah si, quand même, tout de même. Un moment, soyons sérieux quand même. Est-ce qu'on gagne quelque chose si on les éclate tous? Ça, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Hein. Est-ce que vous pensez que je gagne quelque chose? Ah! Oh mais regardez. Non! Ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que c'était un échec. Je dirais que ça n'a pas fonctionné. Il est pas là, Yoshi. Pam pam pam. Non. Il y a de l'inertie en fait. Quand on tabasse le truc là, il y a de l'inertie derrière. C'est chiant. Ah voilà, la clé. La clé elle est là. I have trouvé the clé. I am very happy. Ah non c'est bon, c'est fini ça. C'est vrai que j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de parler anglais. Ah! On pourrait avoir langue, c'est chiant. Ok, donc là il y a rien.
On va parler machin. Hein. Merci, je vais me changer en truc machin. Vas-y, secoue ta zizimote. Mais pourquoi qu'ils y vont? Quoi? Donc je vais où? Ah! Peut-être par là. Super, il s'est coincé. Ok, a priori ça c'est bon. Nul! Non mais nul! Nul! Ah, ça c'est plus simple. Ça c'est plus simple qu'il conseille avec Yoshi, hein. Bon, il y avait encore une vie en dessous, mais... Je pense que c'est pas ce qui va nous manquer les vies, hein, clairement. C'était bien joué, je. C'était bien ouais, je, de ma part. Quoi? Non, mais le jeu qui bug là. Vous avez vu ça, le jeu qui bug? On va éviter de sauter tout là-haut, là, parce que... Là, des clones chaotiques. Non mais regardez, je vais tomber. Non, c'est bon. Merde. Ah là, ils sont morts. Ils sont décédés. Je peux le tabasser. Et ouais. Ok, la clé. Il y a très probablement un truc là. Non? Ah non.
Mais viens. Viens. Non. Ah, le mec, il se stresse tout seul, là. Balabam. J'en suis à 3. Il y a un moment, je crois qu'il va falloir que je mette un peu la gouache, quoi, si je veux terminer le jeu. Tu sais, petit mousse, je t'aiderais volontiers autrement qu'en briquant le pont à longueur de journée. Tiens d'ailleurs, si tu veux jouer avec un copain, donne-lui une autre Wiimote. C'est ça, un de mes lumas alliés se joindra à la partie. Comme ça, tu pourras battre plus d'ennemis et trouver plus de fragments d'étoiles. Voilà, si tu veux jouer avec un luma, fais ce qui tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, je peux pas. Ah mais ça y est, je débloque. Oh, ça y est, je débloque déjà tout quoi. Mais ce Mario peut maintenant voyager plus loin. 300. Regardez. Tiens, on dirait bien que t'as trouvé un goinfre Luma. Porte bien son nom. Prépare tes éclats de... Non. Où je me rapproche. Voilà. Salut le poussin rouge, ça fait un bail. Si tu viens pas, évidemment. Et bien, re-bienvenue à toi. J'ai faim. Je veux des fragments d'étoiles. Si j'en avale 300, je me transforme. Allez. Désolé, non mais je te charriais, évidemment. Tu as le droit, de ne pas venir et de revenir quand tu as envie. Je suis repu, attention les yeux. Transformation. Oh, regardez. Ça a ouvert autre chose. Une nouvelle galaxie est née. J'adore ces sons. Bah, globalement, ouais. Le sound design sur les Mario est quand même vachement bien. Ah, mais regardez. Ça veut dire qu'il y avait, un machin truc là, regardez, un médaillon. Et j'ai pas récupéré le médaillon en fait. C'est ça que le jeu essaie de me dire. Par contre, comment tu as 24 vies? Alors en les gagnant. Il y a des champignons verts dans les niveaux. Et je les ramasse. Et ça me donne des vies. Incroyable. Un secret bien gardé des joueurs de Mario. Les champignons verts donnent des vies. Je peux le jeter. Ah, je me rappelle de ça. Yes. THQ leur dit que ça a annoncé Outcast 2. Non, c'est vrai? Genre là tout de suite maintenant? Vous avez vu quand même. Vous avez vu quand même, il faut que je joue au jeu. Pour que... Vous avez vu influenceur hein. Ce soir pour les 10 ans. Merde, c'est pas ça que je voulais faire.
Reviens, con de Yoshi. Gentil Yoshi, je voulais dire. Si vous me dire n'est-ce pas? Non. Arrête. Le nouveau jeu Bob l'éponge, mais pas sûr que ça te branche autant d'arrêt, non. Le jeu Bob l'éponge. Comment. Mais ouais. Outcast 2, je me demande qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait. Enfin, le. L'histoire. Je me demande vraiment comment ça va être. J'ai hâte, hein. Si vraiment. Enfin, ils ont annoncé. C'est en dev ou. C'est en dev ou ça va sortir, quoi. Y'a pas de date, ouais. Mais non, mais j'ai tiré. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu que j'ai tiré. Hein. Tananana, tananana. Ça, du coup, c'est la suite du niveau ou c'est. Par contre, c'est chiant. On sait jamais. On sait jamais si c'est la suite du niveau. Ah! Ah, voilà. Voilà le jeu. Ah, je vais faire ça déjà. Évidemment que j'ai rien. En plus j'ai perdu mon Yoshi. J'ai regardé du coup la news. Si t'as un lien Genius, je suis preneur pour aller voir la news. La bonne nouvelle. Non mais arrête. Je t'ai envoyé le lien du trailer, ah bah merci beaucoup. Bon par contre on sait que la voix française sera différente. Malheureusement. Ah merde, j'avais ça encore. Mais non, mais... Mais le... Ah, le temps qu'il faut, quoi. Il y a un délai qui est assez ouf. Quand vous tirez une première fois et que vous voulez retirer... Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Laisse-moi te guider. Ah, rien du tout, hein. Tan, 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 tan. Merde!
C'est vrai. Ça par contre c'est un truc qui ne manquait pas dans le 2 en fait. Dans le 1 ils font pas ça. Le coup du regarde. T'avais un truc à récupérer sur la route, mais si tu l'as. Si tu le savais pas, bah tu. C'est foutu. Donc il faut refaire le jeu. Ah merde! Faut être prêt à secouer sa zizimote à chaque instant quoi. Je crois qu'il pleut chez moi mais je suis pas sûr. Ah oui, il va falloir que je le tabasse. D'accord. C'est mal commencé là. Ok, il est pas content. Il est pas content, on a compris. Bon, je l'ai pas fait de manière très rapide, je crois. Oui, vénère. Ah, ça marche pas. Mais saute sur. Oh, oh, comment il m'a évité. Ah, je vous jure, je suis pas vénère. Mais non, mais. Je suis pas vénère. Allez, jette-moi des merdes. Allez. Non. J'appuie pas sur mon bouton. Non mais regardez ça. C'est horrible. Il évite tout. Oui, t'es pas content. Oui, t'es pas content. Ah, compris. Tiens, dans ta poire. Dans ta petite poire là. Il est pas content, hein. Oh, il est pas content. Oh, il est pas content. Merde. Non, j'ai encore me faire baiser. J'ai encore me faire baiser.
C'est super qu'on puisse être éjecté. Génial. Trop rigolo. Allez! Pam. Comment il s'énerve sur son petit nuage, regardez. Petit nuage, du coup, il fait un peu la tête, hein. Et je refais la même, hein. Je refais la même à chaque fois, hein. Allez. Il a l'air simple et en fait non. Ah c'est dur, ouais, vu qu'il est... Non mais en fait, ouais... Alors déjà le fait qu'il est vite et puis le fait qu'il y ait du vide autour, quoi. Parce que quand on est éjecté de Yoshi, bah on contrôle pas trop, quoi. Mais il pleut là ou quoi? Je sais pas si c'est mon... Je sais pas si c'est mon lave-vaisselle qui fait ce bruit ou si c'est s'il pleut dehors. Oh, regardez les dalles clic clac, qu'est-ce qu'on va s'abuser, on va bien rigoler, hein. La météo dit que le ciel est dégagé. Ah bah c'est ça doit être ça alors. Je vais me mettre au lit avec vous, je crois. Ronflon, ronflon. Qui a besoin de tournoyer, hein, honnêtement. Qui a besoin de faire tournoyer les trucs, hein. Personne, hein. Oh là 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 là. Voilà, vous avez vu. No need à tout faire tournoyer. Coucou Bibi, mais coucou, tu reviens? Oh, je sais plus. Attends, t'étais déjà là tout à l'heure, non? J'ai des flashs de ma 3D World avec ces dalles. Ouais? Tu as des bons souvenirs qui remontent là, c'est ça? Link.
qui veut me dire. T'as ramené un lapin stellaire, hein, petit gars. Tu sais qui est encore plus mignon que ces bêtes-là? Bah en fait, rien. Allons, te vexe pas, Matelot, c'était pour rire. Corrige-moi. Ah oui, corrige-moi. Si je me trompe, on dirait que il a quelque chose à dire, Matelot. Tout le monde veut me parler, c'est fou. Hein. Des excellents souvenirs, ça m'étonne pas. Oh, regardez, un dé. Waouh. Un fragment. Ah, je suis ravi, hein. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Agite la Wiimote en plein saut en tournoyant, il y a un petit peu de boing en hauteur. Je crois que je fais pour bondir si haut, moi. Allez, saute avec moi, boing. Putain, c'était juste pour ça? C'était juste pour me dire ça, alors que je le fais depuis le début? Il se fout vraiment de ma gueule, hein. Je peux lire. Non mais lis. Oh là, c'était marqué lire et puis ça marche pas. Sur le dos de Yoshi, que tu veux descendre, mais t'as un Z enfoncé. Appuie sur A. Attendez. Hop, hop. Attendez, non, c'est pas ça. Ah, ah. Non. Non. Ah oui. Non. Voilà, c'est ça. Tiens, enfoncé, quand il pédale dans les airs. Ok. Il le sautait pour monter sur Yoshi, tu peux aussi bien tournoyer. Ah, oh, ah. Oh, ça c'est bien ça. Ok, let's go. J'aime bien les sauts qu'on peut faire. Les trucs sont énormes. Ça c'est quoi ça? D'accord. Mais ça j'ai fait. Ah, le faux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a, le forage. J'avais oublié qu'il y avait la transfo en perceuse. Blacky. Blacky, tu es où quand on a besoin de toi? On peut être une perceuse Black & Decker. Non, Blacky, elle a une vie sociale ce soir. Elle m'a expliqué ce que c'était parce que j'ai pas compris. Je comprenais pas au début. Elle m'a dit je sors. Je vais dans mon assaut. Et là, je fais un. Ah, j'avais pas du tout compris quoi. Qu'elle m'a expliqué. Une vie sociale. A priori, c'est comme ça que les gens attrapent le Covid. Ça a l'air d'être bien. Hein. Oh, ça a l'air d'être chouette. Hein. Ah là, je crois que j'ai arnaqué le jeu parce que normalement, faut passer de l'autre côté, je crois. Voilà, Mario Forêt. Mario Marie la forêt. Mario Black & Decker. Je vais sauter 12 fois à côté. Hein. No joke. Jamais je vais l'avoir. Hein. Ah, quand même. Super Mario Bosch. Elle est jolie celle-là. J'avoue. J'arrive là, je suis très content. Je l'arrive là, je suis extrêmement content. Donc je récupère une vie. Je suis merveilleusement content. Et là, je me place là. Regardez, qu'est-ce qui arrive? Hop! Oh, j'arrive tout là-haut. Incroyable. Tu m'as fait peur à surgir du sol comme ça? Il y a d'autres lumas, essaye de les trouver. D'accord, je peux faire plus.
Ah on peut pas, ok. Ah bah tiens. Tombe bien toi. Attendez, j'ai l'écran qui s'est arrêté. Non, c'est bon. L'écran est revenu. Ne vous inquiétez pas. Ah d'accord. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. Coucou. Coucou. C'est rare que j'arrive du premier coup, hein. Dun, 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 dun. Merde, j'ai donc failli mourir pour rien. Ah non, d'accord. Je commençais à me dire, je vais avoir les boules. si j'ai failli mourir pour 6 pièces, quoi. Ouais. Pas le temps de niaiser. Ah, on rentre à l'intérieur. Vous voyez que la terre elle est comme ça. À l'intérieur c'est tout vide. Ah! Ouah Mario, c'est vraiment toi. Chaleureuse salutation de la part du capitaine de la brigade Toad. J'ai arrimé le vaisseau champignon ici car quelque chose de monstrueux nous bloque le passage. Je n'irai pas dans cette direction par hasard. Ah ouais, dis. Il y a un vilain là-bas. Luma, bienvenue à la boutique Luma. Pour la modique somme de 30 éclats, je peux te vendre un truc utile. D'accord. Que veux-tu? Moi je veux plus de vie. D'accord, par ici la monnaie. Ouais voilà, je suis repu. Attention les yeux. Transformation. Merci. Padam. Vous allez vous voir, lui il est bien. Faut lui casser la gueule par en dessous. C'est assez malin comme truc. Regarde ça, hop. Cassage de gueule par en dessous. Là je peux pas, évidemment. Bon voilà.
ça, lui il est pas trop compliqué. On peut pas aller dans le vide avec lui, donc ça va, c'est plus simple pour moi. Super Mario Bosch. Tintin, soin, 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 soin. Oh là là, trop de trucs débloqués quoi. Oh, revoilà un de mes petits os. Je me demandais ce qui était arrivé. Ça alors. Genre il la reconnaît quoi. Il a construit un vaisseau pour revenir ici hein. Eh brave petit gars. Mais quel épais équipage. Tu connais ces gars-là, Matelot? C'est rigolo parce qu'en fait il y a tout un univers qui tourne autour, enfin qui va commencer à graviter autour de nous quoi. Tu veux visiter leur navire? Mais dans ce cas, utilise le téléporteur juste là. Allez, on va aller visiter les toads. Qu'est-ce qu'ils vont me vouloir les toads? Déjà, ils vont me vouloir une vie déjà. Salut Mario, nous sommes la Brigade Toad. Notre mission est de trouver des étoiles pour sauver la princesse. T'en fais pas, tout est sous contrôle, la Brigade Toad peut faire cette mission les doigts dans le nez. Luba, oui c'est le Luma maître d'équipage à bord du vaisseau. Mais bon, il est un peu brut de décoffrage, mais tout le monde l'apprécie à bord. En théorie, ce vaisseau est censé ressembler à Mario, mais selon moi, il ressemble plus à Luigi. D'ailleurs, comment va-t-il Luigi? Il est toujours au Royaume Champignon, pas vrai? C'est vrai qu'on sait pas où il est. Hein. Luma nous a aidé à construire le vaisseau qui ressemble à un champignon. Grâce à lui, nous avons pu arriver ici, sain et sauf. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que c'est un gros coup de bol. Ce gros monstre de Bowser nous a attaqué, je suis tombé, j'atterris devant le grand château. Tes copains Toad cherchaient un moyen de te rejoindre pour t'aider à retrouver les étoiles. Alors nous, les Lumas, on s'est unis pour construire ce vaisseau et les transporter jusqu'ici. Bon bah super, c'était que du lore. Full lore quoi. Hop. Et sur ce, on va faire une petite pause. Et oui. Donc des bisous YouTube. Bientôt. Je vais avancer dans le jeu. Soon. Bisous.